Je vais vous parler de l'arbre de vie comme moi je l'utilise sur la voie de l'amoureux. Bien sûr, l'arbre de vie est une structure symbolique. Une structure symbolique pour moi, c'est comme un point d'appui pour la pensée. Et je pense que penser juste, ça demande d'avoir une référence symbolique pour être un petit peu comme un garde-fou. Et je voudrais vous montrer comment on peut se servir de cet arbre dans une pensée moderne. Sachez qu'il y a autant de kabbalistes, enfin, il y a autant de kabbales que de kabbalistes, qu'on soit bien clair là-dessus dès le départ. Et chacun a sa perception, sa vision et son approche de cet arbre qui est une source infinie de réflexion et de possibilité d'ouverture de la conscience. Par analogie à ce que dit l'arbre, on peut être renvoyé à soi-même très, très, très profondément. Et vous allez voir que l'arbre nous donne des axes de réflexion très, très originaux, de mon point de vue, sur la relation de l'homme à ce mystère, la relation de l'homme à lui-même et la relation de l'homme comme sujet en relation à autrui.